Sage, peux me soigner s'il te plaît? Il y a un connard qui a mis son feu en dessous. Oh putain, Sage. J'ai mis 50 et 60 à GT. Back. Bon, je vais suivre les guines, il a l'air trop fort. Ouais. En vrai, si vous voulez poser, venez poser. Hein. Oh non, pas besoin, ils vont laver le serveur. Ok. Non mais gros, il va faire 50 kills, je te le dis. Attends, il faut que je fasse mes touches. Comment tu triches trop bien. Oh, je déteste faire les touches là sur ce jeu de merde là. T'as le temps de mettre ton sens. Par contre, le micro là, le clavier, en plus t'as un vieux clavier membrane. Eh, j'y peux rien, mec. Vous faites quelque chose là ou... Vous vous touchez la nuit, il faut y aller. Hein. Oui, je sais. Vous êtes 3v2, allez-y. Hein. Avance, Oxo, t'as jet, tu dois rusher un peu là. Comme ça, je regarde si t'as du talent. On va voir si t'as une certaine dextérité au niveau du poignet sur les flics. En fait, j'ai un truc dans l'œil. Bah, il faut enlever. Hein. Moi aussi, elle me disait souvent ça. Allez, Oxo, tu mets tes smokes, tu dashes dedans et tu les défonces. Allez, viens. Et le phoenix, là, le noir, là. Utilise tes flashs, hein. Rush. Hein. Moi je déteste de voir un phoenix aller derrière, rester derrière. Gros. À qui tu parles là? Bah je parle à toi, avance, sois agressif. T'es noir, c'est dans les gènes, allez go là. Oui, comment il parle lui? Aïe. Bah j'ai un HP. Et vous bon, avancez pas. Sade, est-ce que tu peux me reste? Attends, t'es où? Là j'ai... Là, ouais, regarde. Ah non, c'était pas moi, ça, par contre, en fait. Ah merde, ouais, fallait me le dire. On va repartir sur une attaque en B, hein, les gars. Il ne déhile jamais, mais c'est ce que je veux faire. Hein. Ah oui, tu me connais. Jamais je les heal, mais jamais j'essaie, je me suis jamais... Je crois que j'ai jamais heal un gars. Voilà, allez, avance, le noireau. Go, vas-y. Tu peux mettre ton mur, là, Sage, s'il te plaît? Non, pas le temps. Ok, y a personne, je crois. Go avancer. Oh putain, y a quelqu'un là où je suis. Oh mais gros, j'ai mis 143 à la race. Sérieux. Oh, ça fait mal ça. Mets lui une flèche, toi aussi. Je peux lui mettre une flèche. Non, bah par contre, moi je meurs. Allez. Vous êtes en chain win tous là? Bah, je suis en chain win de 6 et je suis stock argent. Aïe. Retourne t'entraîner. Oh, j'aime pas jouer les persos genre S. Oh. Lucas. Il est en... Ouais, en B. Ouais, on va en A du coup. J'ai le temps de plante. Pourquoi il dit que je cheat? Sage, pourrais-tu me soigner s'il te plaît? Ah, attends deux secondes. Je sais pas comment on fait, je joue perds jamais. Je joue jamais ce perso. Attends deux secondes. Oh putain, vas-y, je suis mort comment? Dans votre bac. On a deux mecs dans le bac. Aïe, je suis mort. Ah. Bon, ça serait bien que tu te concentres un peu, Xo. Normalement, t'as jet, t'es censé faire 40 frags là. C'est facile. T'as pris mon main, t'as intérêt à assurer avec. Elle a pris mon main aussi. Hein. Allez, pousse votre main, taisez-vous. Notre main. Normalement, les filles, c'est que Sage. Hein. Ouais, normalement, t'es que des supports. Hein. Ah, dans le cul, ouais. Là où il y a mon corps. Ils sont trop nuls avec moi. Ça casse les couilles, putain! Regardez derrière! Sérieux! Pourquoi tu cries? Bah, je me fais tuer de dos, normal que je crie. Bah, non, crie pas, gros. On a une jet qui sert à rien, l'autre, je sais même pas pourquoi il campe. Le phoenix, j'en parle même pas, il est en train de bait. Gros, t'as un camp immortel et tu cries sur cette game, genre? Bah, je suis un compétiteur, hein. Je suis pas à vous à rester comme toi, un joueur fun et à jouer ça, pas en sens améliorer. Hein. Putain. Ok. Bah, go jouer avec les mecs qui ont encore niveau. Non, mais t'inquiète pas, après, hein, j'ai des potes qui ont un meilleur niveau que vous. Toxique, frérot. Ouais, bah, go jouer avec eux. Bah... Ne crie pas dessus, genre. Non, je crie pas dessus, mais bon, là, en même temps, la meuf, elle m'a friendzone. Wesh, t'es sérieux? Non, je m'en bats les couilles, de toute façon. La meuf, elle me prend de haut. Mais c'est quoi ton souci, en fait? T'as le seum ou c'est comment? C'est juste que tu fais la meuf hautaine, en fait. Tu fais la meuf hautaine qui... Mais t'es... Mais gros, les meufs... Les meufs michetos ouais, comme mec, ça qui se la racontent sur ce jeu. Pas... Et alors? Vas-y, ferme ta mère, fils de pute. Pardon? Attends, tu parles à qui, là? Tu parles... Tu sais que je pourrais être ton père, tu sais.
nickel, mon père, je te baisse ta race, t'as compris? Mais tu vas rien faire, je te carry ta game, t'es censé me remercier depuis tout à l'heure. Rien du tout, t'es là, t'es en train de blame tout le monde, tu fais que de flame depuis tout à l'heure. Non, j'ai flame juste un round, et là tu commences à me juger là-dessus. Tu crois qu'on est là pour jouer ou pour se faire flame en fait? Je suis là en train de vous donner des conseils dans le jeu, les gars, enfin... Flame, merci, hein. Mec. C'est de l'or, dans mes paroles, il n'y a que de l'or là. Franchement, vous pouvez vous améliorer, je vous donne des conseils comment jouer vos persos. Attends. J'ai une question. Xo, tu sers à rien, t'es bonne qu'à être une healeuse. Donc. D'accord, et bah écoute, la prochaine fois, tu vas jouer avec des personnes qui sont là pour jouer, sale fils de pute. Tu vois, tu m'insultes. Allez, sur ce, ciao. Allez, dégage, allez, hop, elle est partie, super. Allez, là, on va pouvoir jouer maintenant. Sale fils de pute. M'insulte pas. Là, tu vas commencer à m'énerver par contre. Hein. T'es sérieux? Non, mais elle est sérieuse? La meuf, elle est censée me remercier. Non, mais elle est... Attends, j'ai une question. Genre, tu t'énerves sur ça? T'as 39 ans, tu t'énerves sur bah, ça? Bah, on me tue dodo. Vous servez à rien en fait. Tu cries sur un putain de jeu vidéo, mec. Tu te rends compte? Wesh. Bah, en même temps, la Michto aussi. Ta vie, elle est nulle ou c'est comment, mec? La Michto aussi. Hein. T'es juste au courant. Dernier joueur. Elle t'a absolument rien dit. Nous, on jouait depuis le début. Non, elle m'a énervé. Non, mec, écoute. T'es au courant, mec? Non, attends, j'ai envie de parler. Vas-y. Non, mais elle est où? Elle est partie du Discord là parce que j'ai pas fait un retour Windows. Oui, si, elle est partie du Discord justement à cause de toi. J'ai envie de te dire. Non, mais je carry sa game, la meuf, elle est obligée de. Elle me parle mal, elle me prend de haut, vous êtes sérieux, les mecs? Écoute, s'il te plaît, j'ai envie de te dire quelque chose. Ouais, ok. Quand c'est fini parce que j'entends rien. Tu rentres en étant conscient de notre niveau. Liberté pour les ultras! Liberté pour les ultras! Mais arrêtez de stalker là-dessus là! C'est qui ce con là? Bref, on s'en fout. Tu rentres dans notre channel. Tu peux t'attendre à ce qu'on fasse des erreurs, t'attends pas à ce qu'on soit immortel, mec. Et Non, mais je sais bien, mais elle a pas à réagir comme ça. On va la signaler de toute façon, elle est partie du Discord, les gars. C'est une faute grave en fait, vous vous rendez pas compte? Mec, je suis désolé, c'est totalement de ta faute. Non, mais gros. Ah non, oui, alors peut-être que j'ai tilt un round. Mais sur un round, tu pars pas comme ça. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Oui. Tu viens, t'es en train de jouer avec des silver, des bronze, et t'as des attentes. Ouais, mais de... ça. Bah, normal, si tu fais du ranked, t'es d'accord, c'est compétitif. C'est compétitif, oui, mais bronze, pas autant, gros. Pas immortel. Pas autant, genre, crie pas. Genre, jamais tu cries, mec. Je te respecte, t'as. Non, mais j'ai respecté tout le monde. Je respecte tout le monde. Tu cries jamais, gros. Je respecte tout le monde. Sur Discord, j'ai respecté tout le monde, hein. C'est juste que voilà... Bah non, là... je sais pas, je suis pas sûr, hein. De toute façon, elle avait une voix de grosse, de toute façon. Mais t'as pas à dire ça, en fait. Mais wesh, t'es sérieux? Bah ouais, ça me saoule. Ça me gave. Ah bah... Tu voulais que les gens de ton niveau, tant pis, t'es en train de nous faire chier. Non, j'ai l'impression que ta vie, elle est nulle, en fait. Non, gros, c'est... Je me suis pas énervé, hein, juste un round, hein, les gars. Parce qu'on m'a tué de dos, c'était pas normal, c'est tout. C'est pour ça que vous resterez collés dans ces rangs-là, en fait. On est bas, sans... Mais alors? C'est notre niveau, t'es conscient de... Ça n'a rien à voir avec le niveau, en fait. Le mec, il s'énerve, tu vois. Je sais pas... Mais elle m'a pris d'eau, Moi, je déteste ça quand on me résiste, je déteste ça. T'as absolument rien dit, en fait. Est-ce que t'es bien dans ta putain de vie, mec? Bah, ouais, non, à part est-ce que t'es heureux? Bah, oui, je pense pas. Il y a deux mois, je suis sorti avec une meuf sur Discord, une meuf de LoL qui s'est mise à Valo. Ah bah, et on a cassé. Tant mieux pour toi. Ouais, c'est la première fois qu'il y a une meuf qui me résiste, ça me casse les couilles, quoi. Une vieille meuf, là, en plus. Ouais, ok. On parle que de la game, mec, ça sert à rien. Non, mec, elle me prend pas de haut. En plus, elle sait même pas jouer. Non, je m'en fous. Non mais t'es d'accord avec moi que ça jette. Alors en dehors de ça, ok, la meuf elle m'a pris le haut, elle fait la meuf, la Michto. En dehors de ça, les je gars. Je m'en fous, mais... Est-ce qu'elle a le droit de rester derrière comme le Phoenix? T'as des persos duelistes. J'en ai rien à foutre, je m'en fous, mec. Elle fait ce qu'elle veut. Donc toi tu t'en fous par exemple si un mec il vient jouer un perso qu'il maîtrise pas? Non mais les gars, moi perso je me mute. Hein. Ok, bon vas-y, allez hop, Jean-Michel, vas-y, va te muter, casse pas les couilles. Là ça veut tout dire, ça veut dire que j'ai gagné quelque part. Parce que les mecs vous êtes en tort, vous osez pas... Il y a que la vérité qui blesse en fait, hein, les gars. À l'âge de mon père, et j'ai l'impression que t'as un... Toi t'es maghrébin, commence pas à me saouler gros. Ouais ok. Je suis maghrébin, j'ai l'impression que je suis plus intelligent. Ouais c'est ça. Pas de fuite possible. En tout cas c'est l'impression que tu donnes. Regarde ce que je mets. Regarde ce que je mets, mec. Attarde-toi sur mon skill, mec. Attarde au lieu d'ouvrir ta gueule. Tu
Tu fais de l'argent sur le jeu? Ouais, enfin je fais des tournois Valorant, mec, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Je me suis fait 100 euros tout à l'heure. Ouais, 100 euros tout à l'heure. Pour toi. Tu... 100 euros, ouais, qu'est-ce qu'il y a? 100 euros, tu gagnes même pas ça en une carrière de jeu, de genre de jeu vidéo, mec. Ouais, moi j'ai fait 100, même pas une demi-heure, gros. Je m'en fous, je m'en fous. Je gagne ma vie autrement. Ouais, c'est ça, en te prostituant ou en vendant des barrettes, ouais, des barrettes de shit, ça on a compris, là. Parce que je suis maghrébin, ouais. Putain. Le cerveau. Bah je sais pas, enfin en général, moi les gars que je connais sur Discord, enfin les mecs sur internet, à chaque fois ils sont là en train de se vanter, enfin bref. C'est l'archi-chrouilla comme on dit, hein. Putain, l'image que tu donnes, gros, c'est incroyable, hein. Mais arrête. Incroyable. Toi je t'aime bien, tu sais quoi, toi je t'aime bien. Contrairement aux autres, parce que toi t'es posé, t'es calmé. Tu parles intelligemment, voilà ce que je suis en train de te dire. Contrairement à certains qui sont agressifs directement. Au moins avec toi on peut discuter, tu vois. T'essayes de me comprendre. Bah, moi, je veux pas discuter avec toi, en fait. Si, parce que... si je suis capable de te comprendre et tout ce que tu dis, c'est réfléchi. C'est vrai que j'ai des a priori, j'ai des préjugés. Et pour cela, je m'en excuse. Et je suis capable de changer. Là, t'es en train de me montrer qu'un maghrébin comme toi, qui arrive en France, qui a l'air de maîtriser notre langue, tu vois, là, ça me fait fermer ma gueule. Quelque part, t'es en train de me faire changer de bord. Je vais être bi. Wesh, mais t'es ouf, toi, gros. T'es complètement malade, en fait. Putain. Bon, on peut se concentrer au lieu de dire que je suis malade et... Bah parle-moi de la game. Il y en a un de en B là. Je vois personne mid. Il y en a un deuxième en B. Ok, un mid. Bien joué. Tu vois, toi je t'aime bien parce qu'il était le seul à parler, les autres tu vois ils ont fait les fragiles. Attends, on est que deux à parler hein Young hein. Que toi et moi hein. Les autres sont mutés hein. Je suis en train de réfléchir. Ils font ce qu'ils veulent. Je suis en train de réfléchir, Young. Est-ce que je throw la game ou je m'applique et je la gagne pour toi? Fais comme tu veux. Tu sais quoi? Je vais m'appliquer et je vais la gagner pour toi. Et on jouera ensemble, ok? Non, j'ai pas vraiment envie. Non, sérieux, je m'en veux tellement, en fait, je me sens con. Toi, t'es un mec gros, bien, en fait. Mec, je m'en fous. Non, y a pas de « je m'en fous ». Maintenant, je te tends ma main, je te tends une main. Respecte-moi aussi, un minimum. Non, mais j'ai pas besoin de ta main, gros. Joue la game. Prends ma main et mets-la dans l'entrecuisse. Sur internet, j'ai rencontré des hommes, hein, gros, je te le dis. Ok. Sois pas gêné, hein. Là, je me livre devant toi, on est que tous les deux. Hein. Non, mais j'en ai rien à foutre. Non, mais je t'ajoute sur. On jouera ensemble sur le Discord. Je vais pas t'accepter, gros. Pourquoi? J'ai fait quoi, en fait? T'as fait quoi? Mais j'ai rien fait depuis le début, à part peut-être m'énerver sur un round. Tu vas pas me juger sur un round. Tu juges un bouquin sur la surface de la couleur du livre, de la couverture, t'es d'accord? Mais t'entends, est-ce que je suis le seul? Non, mais il m'entend le mec qui me parle là, celui qui m'a muté là? Ah, mais je te parle pas. Ouais, si tu m'as muté mec, c'est que t'es faible psychologiquement. Parce que moi, T'es con quoi? Je viens de te dire, je t'ai bien mute, je me suis mute. Arrête de forcer, c'est là. Ouais, tu t'es mute. Oui, bah je et pourquoi? Parce que je suis concentré, tu fais que parler, j'ai pas le son. Alors tais-toi au bout d'un moment, putain. C'est bon, je me calme. C'est bon, on tranquille alors. Alors c'est bon. La game, s'il vous plaît. Non, bref. Je m'en fous, je veux juste le son du jeu, finir cette game et je me casse. Ok, mais les gars, tranquille. Moi, je joue. Franchement, vous, y'a pas de soucis. C'est juste que, tu vois, elle a mal. Moi, y'a aucune meuf en général avec ma voix qui me résiste en fait sur le vocal. Et là, c'est la seule. Mais alors, apprends à ce qu'on dise non. Tu crois qu'au bout de 40 ans, Mais t'apprends des choses même au bout de ta vie. C'est pas parce que toutes les femmes t'ont dit oui toute ta vie que ça y est, faut que tu dises que tout le monde va dire oui. J'ai envie de te dire un truc. Au début, je te respectais. Maintenant, tu me fais pitié, mec. Oui, mais de la pitié, il y a quand même derrière du respect, ça veut dire. C'est une forme d'empathie. Quelque part, tu me respectes. Ouais, si tu veux. Parce que moi, je te respecte. Au début, tu vois, j'avais des a priori sur toi, les maghrébins, etc. Ceux qui aiment bien se laver les cheveux avec de l'huile d'olive. Tu vois, je dis rien, tu vois. Oui, et ça non plus, tu vois, j'aime pas. T'es un putain de raciste, un putain d'antisémite. Ah non, ça n'a rien à voir avec le racisme. J'ai déjà été dans des hôtels all inclusive au Maroc. Et c'est ce qu'ils me disaient. Hein. Bon. Attends, laissez-moi te sortir un peu du perso parce qu'il est horrible celui-là. Je me suis dit que je la sentais pas cette game. Hein. Bah là, tu la sens bien, regarde, je suis en train de te. On est en train de gagner grâce à moi, alors commence pas à me saouler maintenant. Tu me remercieras là. Oh, merci, mec. Merci. Tu me remercieras à la fin de la game, tu me remercieras, Rachid. Jamais de la vie. Je sais exactement où vous êtes. Je t'ai tendu ma main, gros. Je t'ai tendu ma main, je t'ai dit que moi je t'en voulais pas, gros. Et je reconnais que j'étais un peu loin sur les a priori. Mais je suis capable de changer, hein. Mec, si tu me dis que dans la vie IRL, tu deals pas, franchement, ok, y'a pas de problème.
On arrête là, on arrête les frères. Tu t'entends parler? Mais gros, c'est incroyable. J'espère qu'on se fait prendre par un mec sur Twitch, parce que si t'es vraiment comme ça dans la vraie vie... Un mec sur Twitch. Je vois pas en quoi ça gêne, parce que j'ai déjà fait des games régulièrement avec des personnes comme ça, j'ai un franc-parler. Les gars, ils sont choqués, mais au final, franchement, tout le temps, à la fin de la game, ça se passe bien. Je peux te dire un truc? Ouais. Prends-le comme tu veux, mais honnêtement, je veux te dire quelque chose de méchant, comme tu l'as fait pour nous. Honnêtement, si t'es comme ça dans la vraie vie et que t'as la même mentalité auprès de gens, je comprends pourquoi ton ex-femme s'est barrée. Alors, ça par contre, ça c'est méchant. Ah bah, tu comprends maintenant tout ce que tu nous as fait. Là, tu viens de me blesser, gros. Même si on est sur internet, normalement, en général, j'ai un cœur de fer, un cœur d'acier. Mais là... Bah, excuse-moi, mais tu t'as fait beaucoup de mal à des gens que je connais pas beaucoup, mais je déteste les respects quand tu viens. Non, mais la meuf, tu la connais pas, gros. Pourquoi tu dis ça, gros? Et alors, tu la connais pas, et alors, comment est-ce que tu oses lui parler comme ça, en fait? Excusez-moi, vous êtes dispo pour game? On est en pleine game, mais on est en pleine game, casse-toi, toi. Lui dis pas ta gueule, toi, il a rien fait. T'es sérieux, quoi? Et toi, tu crois que t'as rien fait? Ce que tu viens de dire, gros? Mais rien, quoi? Mais t'as vu? Et alors, t'as vu ce que ça fait quand on fait quelque chose qui fait mal? Tu nous parles comme ça depuis tout à l'heure, alors arrête de nous dire que je t'emmerde. Je l'ai rien fait à mon ex-femme, donc je t'emmerde, gros. J'ai jamais dit que tu lui avais fait quelque chose, en fait. Mais si t'es comme ça avec les gens, je comprends et pourquoi il aurait eu des raisons de partir, tu vois. Honnêtement, tu veux que je dise un truc? Je le pensais pas ce que j'ai dit, mais je voulais juste te dire quelque chose qui fait mal. Ok. Ok, ça me va. Ça me va. Si tu te penses pas, ça me va, gros. Non, mais c'est un troll, c'est obligé, c'est un troll. Y'a rien de troll, les gars. J'aurais bien voulu, mais là, non. Obligé, c'est un troll. Calme-toi, la rabat-joie. Toi, on t'a pas sonné, gros. Le maghrébin est plus intelligent. La seule raison pourquoi il est parti, c'est parce que j'adorais lui faire ça pendant qu'elle dormait, c'est tout. Si ça passe, ça. Ils disent rien. Bon, ils sont en train de remonter, les gars, s'il vous plaît. Go, 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 s'en centrer. Oh, putain, j'arrive pas à jouer. Bah, en même temps, tu te fais porter, gros, donc c'est normal. Hein. Arrête de faire le mec qui soupire, gros. Moi, je te ramène à Djerba. Putain. Juste tais-toi et joue. Je te ramène qui à Djerba, frère? Je te ramène à Djerba, là. Moi? Non, je pense pas, non. T'es Tounsi, c'est ça? Ouais. Bah voilà, bah Djerba, c'est en Tunisie, non? Pourquoi il ouvre? Tu seras pas accepté à Djerba avec cette mentalité. Mais... Ah bah si, je suis déjà allé dans des hôtels all inclusive en général, je suis pas très confronté. Les seules fois où je suis confronté aux autochtones sur place, c'est quand ils me rendent service, ils me filent des boissons gratos. Cool. Ah dommage, il l'a. Ça, c'est horrible de faire ça. 24-11, les gars, vous en avez tout, vous? Est-ce que je pensais? Ça ne parle plus. On game bronze, genre. Putain, j'ai envie de lui parler. On peut lui parler sur le vocal du jeu, là? Qu'elle m'entende, là, cette meuf, là? On a rien à foutre de toi. Mais vous la connaissez, ou... Parce que j'aimerais bien lui parler, quand même, après. Non, je l'ai ajouté. En façon, je l'ajoute sur... C'est un troll, c'est obligé. Je l'ajoute c'est sur... Un troll. Non, je suis un troll, gros. Par contre, t'es en train de défendre la meuf, tu veux la serrer coûte que coûte ou quoi? Non, j'ai ma meuf dans la vraie vie, c'est juste que je déteste les respects. Une française, je suppose. Ils veulent nos femmes. Et alors, mon ex est algérienne, mon ex avant est maghrébine, enfin... Je vois pas le rapport. Il répond en plus. Le white knight, comme on dit. C'est juste que moi, je juge quelqu'un en fonction de comment elle est au fond. C'est tout. C'est-à-dire au fond de sa chatte, ouais. Bon. C'est incroyable à quel point t'es dégueulasse comme mec. Tu l'as rencontré sur GTA, tu fais le bonhomme. Non, dans la vraie vie, à se connaître. Ah, ça je connais pas, parce que, enfin, il y a longtemps je faisais ça, mais maintenant les meufs c'est que sur internet. C'est beaucoup plus facile. C'est pas parce que t'as 40 piges, que t'as une voix qui est censée faire rêver des femmes que t'es... Ah bah, en tant que doubleur et comédien, doublage, t'inquiète pas que les femmes en général elles sont séduites, hein. Bah, excuse-moi de te dire ça, mais même si t'as une belle carrière, c'est une grosse merde. C'est bien d'avoir la carrière, mais quand t'as pas la mentalité derrière, ça gâche tout. Allez, remercie-moi maintenant. Ouais, casse-toi maintenant. Vas-y, casse-toi, mec. Non, j'attends vos excuses. Mais excuse de quoi? Je n'ai rien à faire. Avant de partir. Un gros cassos.
Comment ça, Cassos, mec? Tu sais à qui tu parles, mec? Mais qui tu parles de quoi? Mais gros, t'as fait des pubs en radio, frère. Bah, regarde, renseigne-moi, renseigne-toi, Jérôme Darbois, renseigne-toi sur qui je suis, gros, tu verras, okay, okay, tu feras moins le malin, quoi. Regarde mon pédigré, regarde mon pédigré, mec. Gros, j'aurai ton âge, tu vas entendre parler de moi, mec. Mais me casse pas les couilles, putain. Le maghrébin, elle m'a fait le maghrébin, chier, cette meuf, frère. Personne ne résiste. Aucune meuf sur internet avec ma voix. Non mais c'est un troll. Ferme ta gueule maintenant, me casse pas les couilles, gros, je me casse. C'est un troll. Et que tu sois François Hollande. Vas-y, casse-toi, casse-toi. Je t'emmerde, gros, qu'est-ce qu'il y a, Soldier? Mais gros, t'es en train de la défendre, t'as envie de la pécho ou quoi? Casse-toi. Mais va bosser au champ, casse pas les couilles, va bosser au champ. Parle à qui, genre? J'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Eh, honnêtement, tu veux que je te dise un truc? Tu fais tiep, mec. Je fais pas pitié, mec. Moi, il y a des gens qui m'apprécient sur internet, gros. Du coup, vous êtes dispo pour game, là? Je t'emmerde, toi, ta gueule, casse-toi. Frag, aide-nous à le report, c'est un cassos. Non mais mec, de toute façon tu peux avoir le palmarès. C'est qui vient depuis tout à l'heure? Reviens avec une autre voix différente, puis, avec un pseudo différent, gros. Tu gères. mais, ton âge, gros, de toute façon, il faut au moins 3 témoignages. Quel témoignage? Ça marchera pas. T'auras beau me signaler, j'ai le bras long sur ce Discord. Donc je t'emmerde. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Moi je veux plus t'entendre. C'est tout en fait. Je veux plus t'entendre. Amélie, voilà. Adoshino, si se pose comment aussi. Gros. Okay. Et l'électricité, c'est comment on gère? Apprends à parler 3 langues et après viens parler. Salam alaikum, alaikum salam. Allez, viens, va prendre les tests duty. Apprends à parler 3 langues, chien, va. Mais tu parles pas 3 langues, arrête. Moi aussi, je les parle, les 3 langues, regarde. Moi, je parle pas 3 langues. Ok, ok. C'est un chien de 40 ans. De 40 ans. Chien, et alors? Est-ce que moi je te juge? Et bah sur ce, moi le dernier mot que je peux te dire, c'est que je regrette pas de t'avoir dit ça, parce que sincèrement ta femme est vraiment... Ferme ta gueule, parle pas de ma femme, connard de merde! Je t'emmerde! Et il est parti cet enculé. Vas-y mec, dis-moi que t'es un troll. Dernière chance. Excusez-moi, bonsoir, dispo pour jouer? Ferme ta gueule, casse-toi toi, non, t'es arabe, okay. Dégage! Il veut quoi lui à chaque fois? C'est quoi ce mec? C'est qui ce mec? Tu veux quoi? Tu veux les jus d'orange d'hippome? J'ai toutes les sortes de jus d'orange, yo. Jus d'orange d'ananas, jus d'orange d'hippome, jus d'orange de kiwi, tu veux ça? Ou jus d'orange de jus d'orange? Bon, il veut pas de jus d'orange, notre ami Young. On est disponible, les parties. Il rigole. C'est un putain de troll. Young Rose, il est disponible, les parties. Oh, l'étranger, là, casse-toi. Non, mon frère, non, non, pas disponible. Comment ça, l'étranger? Je suis en train de parler avec un chien. Ah, t'es à Jazeera? Non, non, non. Tunsi? Oui. M'en fous. Oh, oui. Non, il est parti. Ah non. Attends, mec. Mais il est sérieux, attends. Me dis pas qu'il t'a manqué de respect, là. Ah, il est parti. Bon, allez, quelle meilleure chute. Quelle meilleure chute pour terminer ce live. Vous avez vu, les gars, toujours... ça, c'est dans la science de l'imposture. Attends, moi. Pas tout le temps démarrer direct. Vous avez vu, c'est pour ça que ça a pris. Et ça, je vous file quelques conseils, hein, parce qu'il y en a des fois qui essaient de m'imiter, hein, qui essaient de faire du trolling. Mais vous avez vu, hein, j'ai vraiment attendu très très longtemps avant de péter un câble. Et comme ça, après derrière, tu gardes en crédibilité.